Honduras. Matinalement vôtre. Ça commence bien. Ah ben oui, c'est là vraiment. J'ai eu quelques problèmes pulmonaires. Enfin, que voulez-vous, je crois que c'est la première cigarette matinale. Est-ce que vous fumez, vous, monsieur, à 6h du matin? Vous fumez pas, vous? Non. J'espère qu'il fume pas, parce que c'est très mal oui, de oui, fumer. Oui, exactement, parce que j'en connais un qui est en train d'arrêter de fumer. C'est très bien, c'est très très sain pour lui. Hein? Bonjour, monsieur Coy. Bonjour, monsieur Coy. Voilà, c'est Monsieur Gaud qui réalise cette émission. Et puis là, c'est un petit programme que j'ai préparé avec mon ami Chevalier, François. Ah, moi, je suis là par hasard. Hein. Je passais, j'ai vu de la lumière, je suis entré. Bon, et vous arrivez de vous promener comme ça le matin Je rentrais. Ah, vous rentrez. Ah, vous rentrez et vous couchez. Voilà. Ah, intéressant. Ah bon Oui, ben moi, je suis encore hier. Mais c'est pas grave, hein, faut pas... Faites comme si on était demain. Ah bon, eh bien on va faire comme si c'était demain. Et ça va être un cœur qui va plus samedi. Le supermarché international des grands magasins Pyrénées d'Andorre la Vieille vous offre la sélection d'aliments la plus complète au prix les plus raisonnables. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez dans les divers rayons. Fruits et légumes, vins et liqueurs, boucherie et charcuterie, produits laitiers, produits nettoyants, boulangerie et pâtisserie. À la boutique Pochon, les mets les plus exquis, les plus exotiques de la gastronomie internationale, ainsi que le rayon traiteur. Visitez le supermarché international du deuxième étage des grands magasins Pyrénées d'Andorre la Vieille, affilié au Printemps de Paris et aux galeries Préchados de Madrid. Et n'oubliez pas les 150 places de parking gratuit. Mais c'est vrai ça? Oui. C'est vrai ça? Oui, oui. Pendant 24 heures même. Mais bon, c'est pas des cancans? Ah non, absolument pas. Là, vraiment, aucun cancan. François, où est-ce que tu as dégoûté cette 30 cm?
Ah, alors là, c'est un secret. Là, vraiment, c'est... Non, il n'y a pas de secret. En fait, c'est chez un disquaire londonien, parce que celui-ci, il est difficile à trouver en France. C'est un Spike Jones. Les amateurs connaissent. Les amateurs aiment bien. Ah, ben ça, je veux bien le croire. C'est un 30 cm pourvu de qualité, comme vous avez pu vous en rendre compte, et de qualité matinale. Finalement, ça tombait très très bien. Je vois ça. Les quelques bruits, les quelques gargarismes... Non, c'est une pomme. C'est pas un gargarisme, c'est une pomme. C'est une pomme. C'est une bête pomme. Ah bon, c'est tout simplement. Ouais, t'as déjà entendu Ève offrir à Adam un gargarisme? Non. Andorra, premier journal andorran qui sort en principauté pour résoudre nos problèmes. Vous trouverez aussi les dernières informations nationales et étrangères. Poblé Andorra, votre exemplaire vous attend. Il est 6h15 à l'écoute de Radio Andorre. C'est pas marrant. Là, vraiment, c'est pas marrant. Je ne vois pas ce qu'il y a de visite. Arrêtez! Ce qu'il y a de risque quand on dit qu'il est 6h15 à l'écoute de Radio Andorre sur 428 mètres en plein. Oh, alors c'est malin. Alors vraiment. Ah ben oui. Ah ouais. Ah ben ça suffit comme ça. Serge Lama. Le gibier manque et les femmes sont rares. Après la chasse au cœur d'une auberge bien chaude, on se retrouve à table avec des filles un peu rougeaudes. Carlos, la cantine, les enfants, c'est parti pour une autre secousse. Manger à la cantine. Jean-Pierre, j'ai une horrible histoire de cantine pour toi, elle est d'autant plus horrible que c'est une histoire vraie. Quand j'étais à la cantine un jour, on nous sert des espèces de choses vaguement cylindriques qui nageaient dans une sauce vachement vaguement blanche. Et j'ai trouvé le moyen de me plaindre au chef de salle. Je lui ai dit, monsieur, il y a votre poisson qui n'est pas frais. Il m'a répondu, monsieur, c'est pas du poisson, c'est du lapin. Bon. Même l'enchaînement nous a fait un lapin, tu vois. Non, abondance de biens ne nuit pas. Et faire un bon choix est plus facile quand tout est de qualité. Le supermarché international des grands magasins Pyrénées, dans la plus grande surface dédiée à l'alimentation, vous offre une grande sélection de fromages, charcuteries, viandes, fruits et légumes, vins et liqueurs, café, etc. Choisis soigneusement parmi les meilleures marques du marché international. Aucun rapport par conséquent avec ce qui précède. Absolument. Soyez sûr de faire de bons achats au supermarché international du deuxième étage des grands magasins Pyrénées d'Andorre-la-Vieille, affilié au Printemps de Paris et aux Galeries Preciados de Madrid. Et n'oubliez pas les 750 places de parking gratuites pour votre, mis à votre disposition. C'est quand même intéressant. Ah, c'est intéressant, je garde toujours mon vélo. Ah oui, mais absolument. Bah, comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tout à l'heure, nous parlions de nourriture. Hein, mais les desserts, c'était bon à l'armée? C'était pas à l'armée, moi, c'était à l'école. Ce dont par rapport auquel je te cause, bon. C'était à l'école. Ah bon, bon, d'accord. Ici, j'essayais d'apprendre le français là-bas. Oui. Mais c'est vraiment. Ouais. J'essayais de me faire enculturer là-bas. Ah bon. Alors, on te privait de dessert quand tu étais passage? Quelquefois, oui. C'est pas ce qui t'a empêché d'avoir de la culture? Vous savez ce que c'est, la culture? Moi qui n'ai jamais eu peur des mots, je me demande si. Jamais offert ce micro, monsieur Coy. On peut faire bruit. Comme disait papa, qui avait plein de culture dans sa tête. Vaut mieux apprendre ici que se faire instruire chez les Grecs. Il est 6h33. Si vous devez prendre votre travail à 7h, il serait peut-être temps d'enlever vos chaussures de ski, de mettre votre imperméable, et puis de vous diriger lentement vers la sortie. En ne faisant pas trop de bruit quand même. Hein? Et puis faites aller, allez. Bientôt le mois d'août, bientôt les vacances. Tout va bien. C'est vrai les vacances. C'est pour les vacances.
Le soleil, la mer, les mouettes. Enfin, qu'elles sont gentilles, les mouettes, cette année. Elles sont plus gentilles que l'an dernier, oui. Oui, oui, oui. La famille Chevalier a été la semaine dernière à la mer. Il m'a dit les mouettes sont charmantes. C'est pas vrai. Ah si, tu m'as dit ça. Tu veux savoir ce que je pense des mouettes? Oui. Tu veux savoir ce que je pense des mouettes? Oui. Petite garce, viens près de moi, penche-toi. Je voudrais savoir le son de ta voix. Mais... Vous avez quand même pas une raison pour vous recoucher. Il y en a qui sont déjà au lit. Ils se sont remis au lit, qui se rendorment? Ben ouais. Mais faut dire que... Hein? Bon, on dira pas qui a choisi le disque. On dira pas qui a choisi le disque. On le dira pas? Non. Bon. Viens près de moi. Il faut reconnaître qu'après une programmation dynamique, pleine de talent, ben ça tombe, ça fait pouf! Je dois comprendre que c'est le seul disque que tu n'as pas choisi personnellement. Ben... Petite garce, il fait déjà nuit, ne va pas prendre froid. Mais non, elle peut pas dormir, enfin. Mais c'est pas vrai, alors. Ma gamelle, je ne vais plus ma gamelle. C'est pas vrai, ça. Voilà, quelque chose de viril. Exactement. Ton palan. Ma gamelle, ma gamelle. Et savez-vous quel est le titre? Ma gamelle. Devinez. Ma gamelle. Ma tasse en porcelaine de Chine. Exactement. Auditeurs de passage en Principauté d'Andorre, vous savez que nous vous proposons de participer à deux émissions publiques qui vous sont spécialement destinées. À 11h30, Jérémy présente ses jeux, et dans ces jeux, vous pouvez gagner de très très beaux cadeaux, on pourra en reparler. Et à 16h, c'est votre serviteur François Chevalier qui a le plaisir de bavarder avec vous, soit sur la terrasse ensoleillée de Radio... Mais ça, voilà, hein? On sabote? Non. On sabote? Non, tout saute. Ah bon, d'accord. Non, parce que sinon, j'ai plus qu'à m'absenter. Non. Je serai parti des sabotés absents, ce sera tout. À 16h, c'est donc votre serviteur François Chevalier qui a le plaisir de bavarder avec vous, soit sur la terrasse ensoleillée de Radio Andorre, soit s'il fait trop chaud depuis l'ombre et le frais du grand studio, pour parler avec vous de votre ville, de votre région, de vos vacances, de ce qui vous tient à cœur ou ailleurs. 11h30, 16h de rendez-vous, l'un à notre podium et l'autre dans nos studios d'Andorre la Vieille. Alors là, vous aurez peut-être précisé où ça se trouve, parce qu'il y a des gens qui nous ont abordés en ville en disant « Vous, d'après votre dégaine, d'après la tête que vous avez, d'après la manière que vous avez de vous tenir à table, vous devez appartenir à Radio Andorre. » Alors peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer où ça se situe, Radio Andorre. Ben, c'est pas compliqué, il faut d'abord trouver le pont. Oui, absolument. Il faut d'abord trouver le pont, combien le pont sur le rio de Valira. Hein, ça se trouve à côté de Prisunic, on peut le dire. Oui, hein, oui. On ira aller voir après. Alors là, vous prenez la route d'Ordino. Oui. C'est bien ça. Hein, c'est-à-dire que si vous venez de la France, après le pont, vous tournez à droite. Voilà. Hein, et que si vous venez de l'Espagne, et ben avant le pont, vous filez tout droit. Tout droit, voilà, il n'y a pas de problème. Si on, bon. Laisse, si on vous le laisse faire. Ah parce oui. Il ne faut pas se tromper. Hein, là, non, puis il y a un vigile au coin. Hein. Alors il faut faire ce qu'on vous dit. Faites attention, il y a un stop. Et puis, donc, vous filez tout droit si vous venez d'Espagne, vous tournez à droite si vous venez de France, et puis vous verrez là, quoi, aux 80 mètres 100 oui, mètres, même près, pas à, hein, peu près, à 100 mètres à gauche, oui. Vous verrez un chemin montant, une grande allée, sablonneux, malaisé, caillouteux. Oui. Hein. Alors, ce n'est pas un torrent à sec, c'est le chemin qui mène à la station. De toute manière, ça vous sera confirmé par un panneau totalement illisible, hein, sur lequel vous ne pourrez pas lire Radio Andorre Studio. Alors, si vous voyez un panneau à gauche, et au pied d'un chemin montant sablonneux malaisé avec un panneau illisible, dit-il, vous savez que c'est le chemin de Radio Andorre, et puis vous montez, alors là, là-haut, c'est la fête permanente. Amis, je vous invite champagne. Voilà. Impressionnant, je dois dire. Ah, non, mais c'est gentil à vous, monsieur le directeur général, d'offrir le champagne aux amis qui viendront nous voir. Hervé Villard. Je vous laisse l'entière responsabilité de ces propos. Danser et faire la fête, champagne pour tout le monde, et c'est moi qui fais. Tous les jours, matinalement vôtre, de 6h à 9h. Il dit, qu'est-ce qu'il a, d'où sort-il celui-là? À qui va de Gamboula? Radio Andorre, 428 mètres de moyenne.
semble qu'il y en a un qui était heureux, c'était Monsieur Coy, notre réalisateur. Hein. Oui, ah, était heureux, c'est que Monsieur Coy a joué de l'accordéon pendant un certain temps. Puis moi, je vais même te dire quelque chose. Oui. Il a accompagné Pierre Perret. Ah ben dis donc, c'est extraordinaire. Ah, et maintenant, il nous accompagne, tranquille. Maintenant, il nous accompagne. On a de la chance. Ah ben ça, c'est certain. Tu le voyais appuyer sur ces petits boutons, c'est très impressionnant. Hein. Ah oui, ça je reconnais que c'est assez impressionnant parce qu'il faut le faire. Moi, c'est un instrument que jamais je ne pourrais jouer. Parce que pour se reconnaître là-dedans, des boutons à droite, à gauche, au milieu, sur le côté, ça me donnerait de l'acné, moi. Un peu de petits boutons, Annie Cordy. Oui. Ah ben oui. Jeanne la Tarzane, Annie Cordy, une chanson de Mickey Ronet. Chanson qui a des muscles. Ah. Ah oui. Les lianes et tout, la jungle. Ah. N'aimeriez pas vous? Il y avait des prennes dans la jungle? Wilkinson. Depuis 200 ans, Wilkinson signe des épées réputées de par le monde. Le camping, voulez-vous parler convenablement, Jean-Pierre? Cela pourrait servir de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, les enfants, j'ai de légers malaises de prononciation, d'articulation. Je m'arrête là? Non, mais tu fais le camping. Bon, je fais le camping. Le camping, allez. Le camping. Non, mais nous laisse pas dans l'attente. Non. Bon. Oh là là. Non, mais vous avez... Non, mais glissez, mortel, n'appuyez pas. Mettez une petite croix, s'il vous plaît. Le camping bordel est... Borda Matteo. Borda. Alors le camping Borda. Allez, bougez pas les gars, je vais vous la refaire. Non, oui, d'accord. Alors on fait depuis le début. Non, c'est du sabotage ça. Alors on va essayer de tenir. Si, on va essayer de tenir quand même pendant 3 secondes. On pourrait remettre la musique depuis le début quand même, parce que là c'est vraiment du sabotage. Après il va se plaindre. Mais bon, il y en a. Bon, alors on y va. Alors nous pouvons y aller. Le camping Borda Matteo vous offre la plus grande surface de vente d'articles de camping. Tente des marques les plus renommées, sacs de couchage et tous les accessoires. Camping Borda Matteo à 3 km d'Andorre-la-Vieille et au 10e étage du parking des grands magasins Pyrénées, affilié au Printemps, c'est reparti, de Paris et aux Galeries Preciados de Madrid. Et n'oubliez pas les 750 places de parking gratuites durant 24 heures. Nous allons enchaîner maintenant avec un autre 45 tours, mon cher François. Il y a des gens qui font pas leur âge. Hein. Non, ça c'est vrai. Oh là là. Mais il les accuse bien. C'est le cas du petit Michel, mais vraiment, c'est redoutable. Ah oui, ça c'est... J'ai des Milans. Hein, c'est pas vrai. Ben, vous êtes italien, vous? Ouais. Vous avez vu un petit peu comment il l'a placé? Je n'ai pas l'âge de mes artères. Radio Andorre, il est minuit. Mais non. Ah, pardon. Alors, nous ne sommes pas Noël aujourd'hui. De ce disque, hein, rien que du beau linge. Ah oui, c'est bon. Claude mais... Bollinge. J'en pince pour lui. De bois. Capucine, c'est plus qu'une parfumerie. Capucine, c'est le plus grand choix de la principauté en cosmétiques et parfums des premières marques mondiales. La parfumerie Capucine, c'est aussi de nombreuses années d'expérience, un service sérieux, un accueil chaleureux et les meilleurs conseils. Capucine, une parfumerie de grande classe qui vous aidera, madame, à être encore plus séduisante. Capucine, une parfumerie de tradition au service de votre beauté. Capucine, 71, avenue Charlemagne aux Escaldes, téléphone 20 877 en principauté d'Andorre. Bonjour, madame. Coup de chapeau aujourd'hui à Sylvie Vartan. Vous vous souvenez, il y a 14 ans de ça, moi j'avais les cheveux courts, on disait que j'avais l'air boudeur, c'était surtout parce que j'étais morte de peur. Et je chantais dans une émission qu'on appelait à l'époque « Salut les copains !» Et je chantais des chansons dans ce genre-là. Radio Andorre, 428 mètres de moyenne, il est 8 heures. Tu as essayé déjà de le siffler, le pont de la rivière Kouai? Oui. Tu y arrives? Dans ma baignoire, régulièrement. Ah bon, sous l'eau ou... Ah bah sous l'eau, en nageant, en montant ma douche. Le pont avait déjà sauté, alors. Oui, avait déjà sauté, situé à la fin du film. Bon, eh bien nous allons le prendre dès le début, et rappelez-vous, c'était une bonne époque. Tout le monde sifflait dans la rue, c'était un phénomène.
presque national. C'est pas brillant, hein. On va se faire siffler, hein, si on continue. Voilà, c'était Colonel Boguet. Comment une... voilà, justement pas, voilà, voilà. C'était, oui, comment il s'appelait? Colonel Boguet. En plus, c'était un colonel. Oui, c'était un colonel, ben, ça se voyait pas dans le film puisqu'il était dégradé. Mmh. Hein, puis... Dans les tons pastels. Dans les tons pastels, absolument. Dans le vert et le jaune. Oui, d'accord. Parce que ça... D'accord. Et puis maintenant, alors nous allons passer maintenant à un 45 tours qui lui aussi a très 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 bien marché. Tout le monde, sinon le chantait, le fredonnait. Et c'était une chanson qui avait été composée par René-Louis Laforgue, un regretté chanteur. Ah là là. Qui avait on a fait chanter des gens. Oui, j'avais un poisson rouge, il chantait ce qu'on va jouer là maintenant. Oui. Absolument. Puis il avait peut-être une analogie avec toi, c'est qu'il avait pratiquement les mêmes moustaches que les tiennes. Un poisson rouge? Non, les moustaches. René-Louis Laforgue? Oui, dans le bah, oui, d'accord, oui. Oui, oui, non, mais... T'as trouvé ça dans le petit Larousse? Absolument. Oui, le fils à Julie. Un effet, il y en a pour voilà. Oui, c'est ça. On en parlait, justement. Fais-nous danser, Julie Larousse, toi, dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour. Radio Andorre. Oui. Oui, non, mais Joël, tu viens pas. Non, mais donne-leur quand même parce que c'est oui. Important. Ouais, on va donner l'heure. On la reprendra quand même parce que ça pourrait nous servir. Oui, par oui. La suite, nous l'utilisons fréquemment en matière de radio. C'est l'heure où Joël arrive. Oui, c'est l'heure où Joël arrive, pimpante, toute contente, bien peignée. Tu ne fais pas la bise à moi, Joël? Non, 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 elle boude. Eh ben, t'as fait la bise à toi, ne fais pas la bise à moi. Mais oui, mais moi, je la taquine pas. Moi, merci. Merci, Joël. Oh là là. Elle est charmante ce matin. Elle a un pantalon vert et un t-shirt rose. Ça fait vraiment fraise pistache. Voilà. C'est extraordinaire. Quand vous aurez terminé vos ablutions, je pourrais quand même donner l'heure, parce que non, ça passe l'heure. Bah alors oui, déjà, c'est de la blue, ben elle est fausse maintenant, l'heure ça change tout le temps. Il y a de la blue, hein. C'est comme Joël. Oui, et comment? Joël, elle change tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est extraordinaire. C'est vrai. Quand elle était hier, elle était rousse. Oui, et aujourd'hui... Avant hier, elle était brune. Et maintenant, elle est mauve. Le jour d'avant, elle était à pois. Oui. J'ai dit à pois, oui. Je me suis arrêté là, ça va? Oui, absolument. Et maintenant, elle est blonde. Elle est blonde, toute blonde. Elle est extraordinaire. Non, mais il est bon de planter le décor, finalement, parce que... Quand on non, on plante ce qu'on peut. Oui, forcément. Et donc, il est 8h46. Allez, écoute, de Radio Andorre, 428 mètres en moyenne. C'est Joël de décor. Hein. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas qu'on lui dise qu'elle est décorative. Non, en c'est fait, vrai. Elle est ravissante. C'est pas une femme objet. Alors, le côté femme objet, ça, elle refuse systématiquement. Ah oui, absolument. Elle nous jette des regards de elle est libérée. C'est dommage que nous ne soyons pas à la télévision. Tiens, voilà un regard de travers qui vient d'arriver. Il y a quelqu'un qui va être content. Voilà, ça fait du café sur les justificatifs. C'est une catastrophe. C'est pas vrai. Si vous voyez François faire le ménage... Non, mais il y a du café plein les papiers. Oui, ça, vraiment... Qu'est-ce qu'on va prendre, hein? Ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, ça, on va entendre quelque chose, hein. Alors, téléphonez-nous des Kleenex, parce que... Ah oui, oui, oui. Puis alors, les enfants, si se passe vraiment des choses très graves, on vous appellera au secours. C'est la faute de Joël, d'abord. Oui, d'abord. Vous payez, fou, c'est fou. Fou de soleil. Perrier, c'est fou. Fou de soif. Perrier, c'est fou. Fou de naturel. Perrier, c'est fou. Mon cher François, sais-tu lire l'avenir? Ah non, non, non. Non, parce qu'avec le café qui est répandu dans le marc, peut-être on peut nous voir, entrevoir quelques petites choses. Non, ça, j'en ai marre plein la table, mais de là à lire l'avenir, non. Sinon, un avenir sombre peut-être. Oui, oui, c'est absolument. Pour nous. Hein? J'ai absolument tout compris, c'est là où je voulais en venir. Ça, c'est sûr. On est bien content d'avoir fait cette dernière émission en votre compagnie, messieurs, dames. Oui, oui, c'était sympathique. Ah, c'était bien gentil. Ça, demain, on est viré à tous les coups. Ah, ça, là, nous allons avoir des problèmes. D'ailleurs, je suis persuadé qu'à partir d'après-demain, vous ne m'entendez plus. Vous allez voir. Patricia Ferrari, dans 10 minutes il sera 9h. Barbevillien, ça c'est un chéri de François. Chevalier, à l'époque le titre. Par contre, ce que vous pouvez fredonner dans la voiture, hein, vous pouvez fredonner un petit air. Surtout si vous arrêtez au bord du pré. Voilà, absolument. Alors, arrêtez-vous au bord du pré et fredonnez ceci.
Jean-Noël Dupré. Qu'on se le dise, comme dirait régulièrement notre ami Thierry Luguet. Il est néanmoins camarade. Et il est néanmoins ami. Il est néanmoins camarade. Et néanmoins ami. Et néanmoins camarade. Le point. Ça me rappelle les vacances quand on dansait le soir. 19. Jean-Pierre. Matinalement vôtre. Moi, ça me fait toujours quelque chose de quitter l'antenne. Et nous donc? Ah bon. Ça a été spontané comme réponse. Bonjour Marie. Ah ça y est, ça va commencer, les salutations. Bon, mais Anna est arrivée la première, hein. Ça je tiens à le dire, elle va être bien notée. Oui. Hein, monsieur le directeur général. Nous étions ensemble depuis 6 heures ce matin. Sans que ça paraisse. Mais transparaisse. Pour votre paresse, moi je vais me coucher. Hein. Ah bon? Non, mais je suis content qu'on ait terminé par Jean-Noël Dupré, parce que Joël est arrivé en disant « Oh là, je ne vous pas réveillé ». Alors elle va nous faire du Jean-Noël Dupré pendant toute son émission. Absolument. Bonjour, youpi, tout ça. Bah ouais, pour la partie technique et tout. Pour la partie technique, c'était monsieur Andrés Coy. Nous allons devoir, par conséquent, nous séparer. François Chevalier et Jean-Pierre vous ont tenu compagnie durant 3 heures. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous, ça vous apprendra la prochaine fois. Ne quittez pas, restez à l'écoute. Maintenant c'est Joël, alors ça vaut quand même le coup. Voilà, oui, là vraiment... Le là, du train des vacances, quand. Avec Joël. Aquí va de gamburra. À l'écoute de Radio Andorre, bonjour. Bon temps, Joël, nous sommes avec vous jusqu'à 10h30.